Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector spécial collector d'antan. Attends. Pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça, puisque. Pas aussi d'antan que ça. Ouais, on va faire un bond dans le temps, mais juste de 20 ans. Donc, année 2004. Quand même. Hein. Ouais, année 2004, ouais, quand même 20 ans. C'est vrai que ça fait plus de la moitié de ton âge, toi, c'est clair. Donc un film extraordinaire, hein, les choristes, vous vous en souvenez tous. On va vous présenter une édition prestige qu'un film de Christophe Baratier avec notamment Gérard Jugnot et François Berléand. Gérard Jugnot qui crevait l'écran et bien sûr tous les enfants. Tous les enfants. Tu te souviens encore du nom de quelques-uns? Non, du tout. Moi, je m'en souviens. Mais Héloïse, oui. Morange. Morange. Ouais, je me souviens de lui. Donc, on va le redécouvrir une deuxième fois ici sur la chaîne. On est honnête avec vous. On est honnête avec vous. On l'avait déjà fait cette édition collector il y a millésime Covid, hein, il y a 3 ans, 4 ans. Ouais, ouais. Et en regardant nos vidéos, on voit que cette édition collector est passée complètement inaperçue. Ouais, ouais, ouais. Donc on s'est dit c'est trop con parce que avec tous les amis qui nous entourent aujourd'hui sur la chaîne, je suis sûr que ça plairait, hein, à fond. Ben, donc on s'est dit on va la refaire, on va quand même garder le même montage qu'à l'époque, mais on va juste changer l'intro et la critique, donc ouais. du collector. On vous envoie tout de suite la bande-annonce, question de vous faire une petite idée. Et on se retrouve juste derrière pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret, donc de cette édition prestige des choristes. À tout de suite les amis. Comme d'hab, on supervise Andrés. On y va, on ouvre. Alors, étui, carton dur, à l'intérieur, la classe quoi. Vous allez voir, c'est la classe. Donc, les choristes, magnifique. Le journal de Clément Mathieu, texte de Christophe Baratier, photographie d'Yves Prince. C'est superbe. Andrés, tu l'as eu... dernièrement, toi, ouais. Hein, cette édition collector, on reviendra en fin de vidéo sur le prix. C'est dommage, il y a juste le fait que lors de mon achat, moi à l'époque, j'étais persuadé qu'on allait avoir le journal du pion. En fait, c'est le journal où il raconte ni plus ni moins que le film, quoi. Le film. Ici, le livre est extraordinaire, très qualitatif, hein, mais est surtout une documentation photographique avec du film, quoi. C'est très beau, hein. Ouais. C'est très beau. Y a de temps en temps un petit texte, mais un petit texte par-ci par-là, ouais. des annotations, ouais, des petites, ouais. Ouais. Très joli, en tout cas, beau. Ouais. Alors, nous avions Cerf-volant, ça je pense que c'était les partitions du fameux morceau. Hein. Pour ceux qui savent jouer la musique, Ils sont servis. Une petite perle.
pour ceux qui ne savent pas jouer la musique, mais qui aiment le cinéma, ben, c'est, ça reste très très beau. Hein. Ouais. Génial. Alors, on avait l'édition collector DVD d'antan, qui était très sympa aussi. Pour moi, voilà. Format Digibook, qui vont être très beaux. Très très beau. Hein. Comme, c'est vraiment les DVD collector classiques de l'époque. Il y avait également, et c'est probablement ce qu'il y avait de plus beau dans l'édition collector, ce formidable ce jeu de photos. Mais il y avait également de la place, figurez-vous, pour glisser le Blu-ray. Moi, j'ai racheté le Blu-ray et je me le suis mis dans le collector et à l'intérieur, donc, les fameuses photos du film qui sont vraiment magnifiques. Qualité, top qualité. Ouais, c'est comme quand vous alliez à l'époque chez le photographe et que vous demandiez le format. Brillant. Brillant, bien sûr. Et c'est quel 15 sur 20, je dirais. Ouais, 25. Ouais. 25, pardon. Ouais, ça doit être ça. Hein. Ouais, 15-20 plutôt. Ouais. Magnifique. Ouais. Ah, oh. Pépino, bien c'est sûr. Ça. Voilà. Ah, tu te souviens pas. Ah, ouais. Ah, j'ai vu sa petite frimousse. Magnifique. Quel beau. Ils doivent pas avoir la même tête maintenant. Hein. Berléand, exceptionnel dans le rôle du directeur. Ouais. Gérard Jugnot, superbe. Rien que de voir les photos, les amis, ça vous donne envie. Ça donne envie de revoir le film, en fait. Et franchement, c'était vraiment un beau jeu de photos avec la dernière photo de classe. Nous qui travaillons dans une école, on est en 2024, mais c'est toujours plus ou moins ça, la photo de classe. Exactement. C'est fou, hein. Donc voilà, les amis, on vous envoie tout de suite le montage d'époque d'Andrés, mais vous allez voir, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Super beau. Et on se retrouve juste derrière pour la conclusion de cette belle chouette vidéo, petite magnifique. Édition ouais. Prestige. Prestige.
Donc, très important à souligner, vous l'avez vu dans le montage d'Andrés, il y a également à l'intérieur la bande originale du film, on le dit, parce que souvent on se plaint qu'elle n'est pas dedans. Ouais, voilà, c'est complet de chez complet. La bande originale, chère à ce film, est également dans l'édition collector. Le truc, c'est que moi, je l'ai switché pour mettre le fameux DVD, Blu-ray. Blu-ray, d'où la place, donc forcément, c'était réservé à la bande originale. Moi, je l'ai troqué par les choristes et j'ai mis la bande originale des choristes avec mes autres bandes originales CD. Mais bon, vous l'avez vu dans le montage, elle fait également partie du coffret. Du coffret. Autre chose à rajouter, André, sur le contenu de ce coffret qui t'a particulièrement marqué ? Oui, qui m'a marqué. Enfin, comme je vous dis, j'ai reconnu en tant qu'enfant et adolescent. Mmh. J'ai entendu beaucoup des interviews, justement, on parlait des enfants, mm-hmm. qu'ils ont grandi, qu'ils sont devenus des hommes, mm-hmm. et on les voit souvent dans des interviews un peu les années 2000 ou un truc du genre, tu comprends. Mm-hmm. Et enfin, dernièrement, j'en ai vu, je crois que c'est le chanteur et Pépinou, je crois que j'ai vu, ils ont changé, enfin, si vous avez les photos ici, ils ont beaucoup changé, quoi. Ça m'avait marqué, j'avais vu un reportage, notamment dans les bonus. Ouais. Ah, c'était magnifique, puis ils montraient le dernier jour du tournage. Ah ouais, tout le monde était en train de pleurer. Ouais, oh, ouais, je me rappelle. C'était vachement, vachement émouvant. Ouais. C'était vraiment un film. Ouais. Je le dis à chaque fois. Rêver, c'est quand même beaucoup de le dire, mais j'aimerais vraiment bien le projeter un jour chez nous à l'école pour les plus grands, pour les sixièmes notamment, parce que bon, les plus petits vont peut-être pas être intéressés. Faire vraiment une projection des choristes, une projection à part, ça serait un grand moment, parce que nous, l'école, personnellement, où l'on travaille, le cadre s'y adapte à la perfection. C'était un ancien pensionnat, tu me l'as dit. Exactement, c'est un ancien pensionnat, donc j'aimerais vraiment bien rendre hommage et au film et à l'endroit où on travaille, donc c'est un projet que j'ai ici, et quand c'est ici, ça sort souvent au grand jour. Encore quelques petits mots sur les choristes avant de conclure cette vidéo. Il y a prochainement à Bruxelles, tu m'avais envoyé la notification, Andrés, oui, on vous laisse ici la date, mais je pense que c'est pour le mois d'octobre ou novembre. Hein. Oui, aux alentours. De toute façon, vous avez toutes les infos ici. Donc les choristes, version musicale et ciné à la fois. Ouais, les deux. J'ai jamais vu. Moi non plus, quand je l'ai vu, j'étais là, waouh, est-ce que ça serait bien qu'il y ait au moins un des enfants ou un des acteurs qui soit là, présent. Ça sera plus compliqué. Ça serait plus compliqué, mais c'est rare. Mais j'ai raté. Il y a eu Le Seigneur des Anneaux qui était passé comme ça, je pense. Il y a eu 2-3 films qui sont passés déjà ici. Franchement, ça me botterait bien d'aller jeter un coup d'œil. Ça sera l'occasion pour nous de faire une vidéo et en tout cas de vous donner notre avis, parce que bon, c'est quand même une autre façon de voir le cinéma. Ça doit être spécial, quoi. Ouais. Donc cet écran avec en bas l'arène où sont tous les musiciens, et à chaque fois qu'il y a les scènes en arrière-plan, ça doit valoir la peine d'être vu. Et aussi, bien sûr, 2024, vous avez compris, le film fête ses 20 ans et il y a une édition Ultra HD 4K qui sort en amarré, je pense, ou en slipcover, un des deux, mais vous l'avez l'image ici. Ouais, et elle sort en novembre, octobre ou novembre. Voilà. Donc, il va switcher. Voilà. Je vais switcher. On va voir ce que ça vaut. Hein, tu vas switcher, ça c'est clair. Ouais, parce que là, il y aura de toute façon la galette Blu-ray. Ouais. Donc celle-ci ira sur la boutique. Enfin, la boutique, ça c'est encore une autre histoire. Hein, on vous en parlera lors du live, je pense. On vous épargne de tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, André. Petite parenthèse quand même de mon côté. Comme tu l'as dit au début, je l'ai acquis il n'y a pas si longtemps. Ouais, très important, c'est vrai. Donc voilà, ouais, on en parlait. Le prix, l'acquisition, si vous voulez l'acquérir, allez-y les amis, les gens le vendent entre 15 euros, 20, c'est... 25, Amazon le vend à 22 euros. Ouais. Donc moi je dis... Vinted, si vous êtes capable de le trouver à 15. 15, franchement, c'est... Sautez-y, c'est un des plus beaux collectors, en tout cas complet, que je me suis procuré dernièrement, quoi. C'est magnifique, quoi. Ouais, c'est vraiment une très belle pièce, et à ce prix-là, n'hésitez pas. À ce prix-là, c'est surtout ça, quoi. Et surtout que c'est un film
En tout cas pour moi, c'est un film de mon enfance. Comme je disais tantôt, Héloïse en est super fan. Donc même pour tout le genre. Qui ne le serait pas. Moi, j'ai découvert ce film. Moi, quand j'ai entendu tous ces gens-là se ruer, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me dis oui, ça va être une comédie musicale. Et bon, ben malgré tout le respect que j'ai pour ce genre de cinéma, c'est pas pour moi. Pas ta tasse de thé, le titre, les choristes, je dis oui, non. Et puis, contrairement à beaucoup d'autres personnes qui dès qu'ils entendent trop de bruit autour d'un film, moi je n'y vais pas parce que moi je suis plus intelligent que les autres et je suis un dur, comme il y en a beaucoup qui ont zappé le Titanic à l'époque. Tout le monde s'est rué au cinéma, alors moi je n'y vais pas. Ben moi c'est tout à fait l'inverse. Quand j'entends que tout le monde se rue au cinéma et que tout le monde achète les éditions collector, je l'achète aussi et je me dis qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire ce film, qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, la photographie, l'image, les enfants. Dès la première image du film, poum, et une fin mémorable. C'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. C'est un des plus beaux films de ma collection, à n'en pas douter. Et il mérite une édition collector comme celle qui nous ont pondu il y a 20 ans. Fort à parier. Déjà, tu me le disais, André, est-ce que l'édition 20e anniversaire, ne sera uniquement et exclusivement qu'un passage à la haute définition au 4K quoi. Malheureusement, mais bon, si vous avez des enfants, on sait jamais. Le chat qui fume ou je ne sais quoi, ESC nous sorte un nouveau coffret, mais je pense pas du même standing entre nous. Moi personnellement, ça c'est le top du top. Moi personnellement, ça m'étonnerait qu'il fasse aussi bien. Allez-y les gars, franchement. Allez-y, profitez-en. Sauter dessus et le paquet, tout est beau, tout est bon et glisser la galette 4K dessus, dedans. Ouais, parce que franchement, c'est du tout bon. Voilà les amis, les éditions d'antan, ben ça ressemblait à ça. Likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Continuez à vous abonner et surtout les amis, allez faire des petits tours du côté de chez eBay, Vinted, Amazon. Si vous tombez sur cette édition en dessous de 20 euros, c'est un péché de ne pas la prendre. Franchement, elle est magnifique. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et impatient de lire vos commentaires. Ouais. Ciao, ciao. Ciao.